Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce dimanche 24 janvier pour ensemble venir louer le Seigneur, adorer le Seigneur, nous réjouir dans la présence du Seigneur. J'espère que vous allez bien, famille Vie Nouvelle de Ransard, et que vous, amis internautes qui nous suivez, soit sur la page Facebook ou YouTube, vous allez bien. Nous voulons ensemble ce matin entrer dans les parvis de l'Éternel. Nous voulons ensemble ce matin venir dans la présence du Seigneur, pour louer son nom, pour adorer celui qui peut changer nos vies, transformer nos vies, guérir nos vies, restaurer nos vies, bouleverser nos raisonnements, bouleverser tout ce qui vient chambouler nos vies, abîmer nos vies. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est comme une brebis qui a besoin d'herbes fraîches, d'herbes bien grasses. Nous avons besoin d'être nourri dans la présence du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est le désir de vos cœurs ce matin? Est-ce que vous avez cette soif dans vos cœurs ce matin de venir et d'entrer dans la présence du roi des rois? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Et si même il y a une réticence, si même ce matin vous n'êtes pas bien levé ou levé du mauvais pied, dites à votre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel, mon âme prie l'Éternel, recherche sa face, recherche les bontés auprès de l'Éternel, recherche la présence du Seigneur, recherche la direction que le Seigneur a prévue pour ta vie. Ce matin, mon frère, ma sœur, nous voulons lever des mains pures devant le Seigneur. Nous voulons nous approcher devant le trône de la grâce, ensemble là où vous êtes. Et je vais vous inviter à prier, afin de remettre ce culte entre les mains du Seigneur, afin que là où nous sommes, qui que nous soyons des enfants, que nous soyons des adolescents, des jeunes, des couples, des familles monoparentales, des familles isolées, des familles dispersées peut-être à cause du confinement, ou que nous soyons des aînés, qui que nous soyons, que nous puissions nous mettre à genoux dans la présence du roi des rois. Alléluia. Seigneur, c'est une joie ce matin d'être là. Merci du cadeau que tu nous fais de pouvoir nous éveiller, Seigneur, de pouvoir être là encore vivant, Seigneur, ce jour. Tu nous as gardés, Seigneur, de cette pandémie. Tu nous as gardés, Seigneur, de ces fléaux. Tu nous as gardés de bien de choses, Seigneur, que nous ne pouvons même pas soupçonner ou imaginer. Et si nous sommes là ce matin, c'est un effet de ta grâce. Seigneur, ensemble, nous voulons toutes les familles, Seigneur, qui sont là, et tu les connais. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous savons que malgré nos situations, malgré nos défis, malgré nos épreuves, nos difficultés, toi, tu es là. Toi, tu es cet avocat à la droite du Père. Toi, tu es celui qui intercède pour chacune de nos vies. Toi, tu es celui qui, ce matin encore, tu veux venir déposer quelque chose dans nos vies. Tu veux nous remettre, Seigneur, dans la trajectoire de l'éternité. Tu veux nous remettre, Seigneur, avec ton Esprit Saint, Seigneur, avec des convictions qui viennent de ton cœur. Tu viens, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, nous rafraîchir, nous ramener, Seigneur, dans le cœur de la louange, Seigneur. Ce matin, à travers la louange, Seigneur, tu veux nous emmener, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole. Tu veux nous emmener, Seigneur, dans de verts pâturages. Tu veux nous garder, Seigneur. Ce matin, nous te prions dans le nom de Jésus. Viens arroser nos vies. Viens transformer nos vies. Viens renouveler nos forces. Viens fortifier notre âme. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Ce que nous désirons ce matin, c'est dire mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme soupire après l'Éternel. Mon âme marche avec l'Éternel. Seigneur, que ta grâce repose sur Laurette, sur Sandrine, qui vont nous emmener dans ce temps de louange. Que ta grâce et que ton onction reposent sur elles et qu'ensemble nous puissions te louer parce que tu es digne de cette louange. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bonjour à tous. Alors ensemble ce matin, on va accueillir notre Dieu. On va l'inviter à prendre place dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs ce matin. Sa parole reste fidèle à notre égard. Il a promis d'être avec nous tous les jours et nous croyons qu'il est là. Et ce matin, nous voulons l'accueillir au travers de ce chant. Alléluia.
ensemble. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. N'hésite pas à te lever là où tu es. Nous voulons acclamer notre Dieu ce matin. Nous voulons l'accueillir ce matin. Alléluia. Car lui seul en est digne. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Notre Dieu, nous voulons t'accueillir ce matin. Tu es mort à la croix pour nous et nous voulons le reconnaître ce matin, Seigneur notre Dieu. Toi seul as payé notre dette. Tu nous as libérés. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Alléluia. Il a versé son sang pour toi. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Merci Jésus. Son amour pour moi, il m'a libéré, sa dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis un.
Toi, je sais qui je suis. Déclare-le. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Parce que tu nous as réconciliés avec notre Père. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, mais toi tu es venu mourir pour des injustes comme nous. Et ce matin nous voulons venir, Seigneur, devant ta face tel que nous sommes, de manière authentique, sans faux semblant, nous prosterner à tes pieds, nous courber à tes pieds et t'adorer, revenir au cœur de la louange. Le désir de notre cœur ce matin, c'est de te louer de manière sincère, de tout notre être, de tout notre cœur. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous voulons déclarer le chant terminé. Nous revenons à toi, Seigneur. Alléluia. Le chant terminé. Fais-le comme une prière à ton Dieu ce matin. Porter mon offrande, car j'ai le désir. Alléluia. De réjouir ton cœur. Que ce soit ton seul objectif ce matin, réjouis le cœur de ton Dieu. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Alors ensemble, revenons. Je reviens au cœur de la centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas. Répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est sans sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Les yeux fixés sur toi. Fixés sur toi. Fixés sur toi, Jésus. Les yeux fixés sur toi. Fixés sur toi. Que la musique continue, n'hésite pas à te mettre à genoux s'il le faut, à élever ta voix s'il le faut, à élever tes mains comme tu le sens, à adorer ton Dieu, à adorer celui qui est mort à la croix pour nous. Notre vie n'a de sens que quand nous reconnaissons ce sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous voulons avoir nos yeux fixés sur lui. Nous voulons par ce temps, Seigneur, avoir un cœur à cœur avec toi. Demeurer dans ta présence, te laisser nous inonder de ta paix. Te laisser nous inonder de qui tu es. Ton amour pour nous est parfait. Il est sans tâche, il est inégalable. Rien n'est incomparable à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit. Oui, Seigneur. Et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Captivé par qui tu es.
viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, à toi, nous voulons ouvrir nos cœurs. Alléluia, merci Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Viens faire ce que toi seul sais faire. Ô Jésus, viens régner. Seul, c'est fait. Ô Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Quand je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Quel moment de paix nous vivons. Ce matin, à travers la louange, nous vivons et nous partageons ce moment de paix. Cette parenthèse que Dieu met à notre disposition. Mais cette parenthèse n'est pas simplement pour ce moment, pour ce dimanche, pour ce moment précis. Il y avait un roi en Israël qui s'appelait Saül. Et il avait besoin que David, le jeune David, vienne jouer devant lui de l'harpe afin d'apaiser son cœur, afin de calmer tous les tourments qui venaient agiter le roi Saül. Mon frère, ma sœur, ami, tu as plus besoin que d'un moment. Le Seigneur te donne de vivre chaque jour ce moment de paix, ce moment de joie, ce moment d'espérance, alors que le monde autour de nous est agité, alors que chacun est là dans la suspicion, alors que le monde est là en colère par rapport aux autorités, par rapport au confinement. Le Seigneur nous appelle à nous, les enfants de lumière, les enfants de Dieu, la bien-aimée que Jésus-Christ se prépare, l'épouse pure, sainte, irrépréhensible, sans tache, à rester dans la paix, à garder la paix. Jésus dira, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne une paix qui dure. Et pour cela, mon frère, ma sœur, je t'invite à rester et à demeurer à l'abri du Tout-Puissant, à rester au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, est-ce que toi, qui es là devant ton écran, toi qui m'écoutes maintenant, ou toi qui m'écouteras dans les jours, les semaines, les mois à venir, est-ce que tu es d'accord de plier le genou devant le roi des rois, devant le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu es d'accord de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Est-ce que tu es d'accord de consacrer ta vie, qui est le résultat de l'alliance, suite à la repentance que nous avons fait devant le Seigneur, suite à l'engagement que nous avons pris en entrant dans les eaux du baptême, et en proclamant devant les hommes, devant les anges et devant Dieu, que nous voulons le servir, que nous voulons vivre, que nous voulons marcher, que nous voulons souffrir, que nous voulons nous réjouir avec lui et ne vivre que pour lui. Si tu veux vivre cette paix au quotidien, malgré les turbulences qui tournent autour de toi, je t'invite à venir et à prier. Je t'invite à venir et à demeurer jour après jour auprès du Seigneur. Seigneur, tu vois les familles. Seigneur, tu vois les enfants.
Seigneur, tu vois les jeunes, tu vois chacun d'entre nous, tu vois ton Église, Seigneur, dans ces moments bien particuliers. Seigneur, tu nous donnes ta paix, non pas une paix éphémère, non pas une paix que pour le dimanche, mais ta paix pour jour après jour. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne et convainque de péché, de justice et de jugement celui qui en a besoin. Que chacun comprenne l'infinie grandeur de ton amour. Que chacun comprenne et mesure, Seigneur, l'importance de tourner les regards vers toi, jour après jour, de te rechercher, d'espérer en toi, de vivre pour toi, de marcher avec toi, de se consacrer à toi et de déposer cette vie de misère que nous avons et revêtir cette vie glorieuse que tu nous donnes. Une vie qui va nous emmener dans les profondeurs de ta parole. Une vie qui va permettre au Saint-Esprit, Seigneur, de faire son œuvre dans nos vies, d'arracher ce qui est arraché et de planter ce qui est à planter et qui vient de toi. Alors nous vivrons des temps de paix. Alors nous vivrons dans la paix jour après jour. Je te prie dans le nom de Jésus, fais cette œuvre dans la vie de chacun, celui qui espère en toi. Je te prie alors que nous prions ici dans cette église, Seigneur, sème dans les cœurs, Seigneur, agis dans les cœurs, Seigneur, dépose par le Saint-Esprit dans les vies de chacun, afin que nous ne soyons pas simplement dans la paix que le dimanche, à travers la louange, mais que nous puissions goûter à ta paix, jour après jour. Seigneur, nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Quiconque tourne les regards vers toi est rayonnant de joie. Seigneur, tu vois le moment de ta parole, Seigneur. Cette parole qui est la puissance, ta puissance. Cette parole qui est la bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et nous avons besoin de bonnes nouvelles. Nous avons besoin de cette boussole qui va nous amener, Seigneur, à nous approcher de toi, à nous rapprocher de toi, à nous attendre à toi. Hallelujah. Ce matin, à travers ton serviteur, Pasteur Franck, Seigneur, que tu t'es choisi, que tu as préparé, que tu as oint, que tu lui as donné une direction, une directive de toi. Seigneur, anime-le de toi. Remplis-le puissamment de ton Saint-Esprit. Que ta grâce, Seigneur, repose sur lui. Et que cette grâce qui repose sur lui, cette paix qui repose sur lui, cette joie et cette parole que tu as déposée sur son cœur puisse atteindre l'objectif que tu as fixé pour chacune de nos vies. Tu veux semer cette parole dans nos cœurs. Tu veux déposer cette parole dans nos cœurs. Que nous puissions chacun laisser le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons lier toute puissance, toute autorité contraire qui empêche le bon dépôt de cette parole dans la vie des frères et des sœurs et de celui qui espère en toi ce matin. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus que ce matin, Seigneur, cette parole soit accompagnée de miracles, de prodiges. Non pas des miracles et des prodiges qui frappent les yeux, mais les miracles et les prodiges que nous te demandons, Seigneur. C'est une vie, Seigneur, qui va être consacrée à toi. Une vie qui va être transformée par toi. Une vie qui va être renouvelée par toi. Nous t'avons demandé ces choses et nous croyons que nous les verrons s'accomplir. Merci, Seigneur. À ton nom la gloire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et je laisse toute la place à Pasteur Franck qui va nous conduire dans la parole de Dieu. Voilà, merci Samuel, merci à Laurette et à Sandrine, et merci également à ceux qui sont avec moi ici en live pour permettre que ce culte peut être suivi par chacun d'entre vous. Bonjour, à mon tour, je vous accueille dans ce culte, j'espère que vous allez bien. Alors, je veux vraiment saluer chacun d'entre vous en particulier. Je sais qu'il y a des familles qui nous regardent, il y a même des plus petits qui nous regardent, j'aimerais les saluer ce matin. J'ai cru comprendre que certains nous suivent depuis l'étranger, je veux également les saluer et les remercier de communier avec nous ce matin, du plus petit au plus grand. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt pour chercher son Église. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai bien l'intention d'être présent au rendez-vous. Alléluia. Ce matin, j'aimerais commencer une nouvelle série de messages. Et cette série de messages va nous amener dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous allons regarder à la vie d'un homme et plus précisément, nous allons regarder à la vie de prière d'un homme qui est une référence pour beaucoup dans la foi, un personnage biblique. Je veux parler de l'apôtre Paul et cette nouvelle série est intitulée « Les prières de Paul ».
Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur des prières de l'apôtre Paul, mais il s'agit, inspiré par le Saint-Esprit, de voir la manière dont Paul a basé sa vie spirituelle sur sa vie de prière. C'est en tirer nombre d'enseignements pour que nous aussi nous puissions grandir dans la foi et mener une vie chrétienne victorieuse telle que la parole de Dieu nous le dit. Alors j'attire votre attention sur le fait que plus de deux tiers des écrits du Nouveau Testament sont du fait de Paul, et c'est une indication pour nous que le Seigneur a choisi d'utiliser un homme, Paul, pour nous apporter à nous aujourd'hui, pour apporter à la famille de Dieu, au travers de toutes les générations, les doctrines de base de la vie chrétienne. Non pas que Pierre, non pas que Jean n'ont pas contribué à cela, mais nous voyons que Dieu, dans sa préscience, a choisi d'utiliser Paul pour nous apporter ses écrits. Mais au-delà de ces écrits qui sont tant de doctrines, nous voyons que les doctrines qui sont des théories en réalité, nous voyons que Paul va chercher dans sa vie de prière la puissance nécessaire pour accomplir ce que le Seigneur nous prescrit dans sa parole. Par exemple, Paul a de long en large parlé de l'amour. C'est une chose de savoir qu'il faut aimer son frère ou sa sœur, c'est une autre chose d'avoir la capacité de le faire au quotidien. Et nous savons très bien combien ça peut être difficile, surtout dans les relations humaines, même au sein de l'Église. Paul nous dit dans ses écrits ce qu'est l'amour et comment aimer, mais nous voyons que lui-même, c'est dans la prière qu'il va chercher la force et la puissance pour accomplir ces choses. Au travers de cette nouvelle série, les prières de Paul, nous allons exercer nos muscles spirituels. Nous allons ensemble grandir spirituellement. Nous allons ensemble apprendre à marcher dans la victoire que le Seigneur Jésus a remportée pour nous à la croix. Les prières de Paul, une série d'enseignements qui commence donc aujourd'hui. Et à n'en pas douter, Paul était un homme de prière. Et je dirais même plus que les autres apôtres, c'était un homme de prière. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, à la différence des douze, par exemple, Paul n'a jamais rencontré Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus face à face, du moins physiquement. Paul n'a jamais vu de miracle opéré par Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus enseigner avec autorité. Paul n'a pas vécu 24 heures sur 24 avec Jésus. Paul n'a pas été témoin du sacrifice de Jésus à la croix. Paul n'a pas rencontré Jésus après sa résurrection. Paul n'a pas vu Jésus retourner auprès de son Père. Et contrairement aux autres apôtres, aux douze, et même contrairement à Judas, Paul n'a pas vu Jésus au quotidien. Et tout ce que les douze ont expérimenté physiquement avec Jésus, Paul l'a expérimenté au travers de sa vie de prière. Et par exemple, quand Jean nous dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, vous le voyez dans la première épître de Jean, eh bien, Jean est en train de dire ce que nous avons vu. Jésus, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons entendu prêcher. Paul ne peut pas dire cela. Mais le même Paul, il va dire à ses contemporains, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis un imitateur de Christ. » Et la question c'est, mais comment Paul, qui n'a jamais vu Jésus, qui ne l'a pas touché, qui n'a pas vécu avec lui 24 heures sur 24, comment est-ce que Paul peut dire, imitez-moi, moi-même qui suis un imitateur de Christ? Et comme je l'ai dit, ce que les autres apôtres, les disciples et même la foule a vu physiquement, Paul est allé le chercher dans la prière. Les prières de Paul, une nouvelle série de messages, et c'est une série qui va s'étendre sur plusieurs mois. Nous allons voir que Paul a fait plus de 15 prières lorsqu'il écrit ses 13 épîtres, que ce soit à des églises ou à des individus comme Timothée. Donc au travers de cette série de messages, nous allons ensemble entrer dans une dimension du surnaturel parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons
exercer nos muscles spirituels, nous allons aller ensemble plus profondément dans notre communion, dans notre relation avec Dieu. Pour Paul, la prière, c'était plus que « Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé, tu m'as protégé la nuit ». C'était plus que « Seigneur, bénis ces repas ». C'était plus que « Seigneur, bénis mes affaires ». Littéralement, Paul respirait la prière. Pour lui, c'était quelque chose de naturel. C'est pour ça que, par exemple, il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Non pas 24 heures sur 24, non-stop, mais que cette aspiration soit au plus profond de vous-même, que la recherche de la présence de Dieu soit constante dans tout ce que vous faites, quand vous étudiez, quand vous travaillez, quand vous allez à l'école, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en famille, que la présence de Dieu soit une recherche profonde pour chacun d'entre nous. Et aussi naturellement que nous respirons sans nous en rendre compte, Paul va dire, allez toujours rechercher Dieu dans la prière. Tu vis une situation, parle-en d'abord à Dieu. Non pas seulement parler, mais écoute aussi le Seigneur te parler. Priez sans cesse, priant sans cesse, nous sommes dans les prières de Paul. Et ce matin, nous allons ensemble voir une des 15 prières que Paul a faites. Nous allons voir la prière qu'il a faite lorsqu'il s'est adressé à l'église d'Éphèse. Et cette prière est également le titre de ce premier message dans cette série, les prières de Paul. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Et ce matin, nous allons comprendre ce que signifie cette prière. Nous allons comprendre ensemble pourquoi vous et moi, même aujourd'hui, en 2021, nous avons besoin de dire « Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation ». Pourquoi un esprit de sagesse? Pourquoi un esprit de révélation? Qu'est-ce que ça va nous apporter ce matin? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17, et je vous le lis. Je prie, et c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » En d'autres termes, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous livre ce matin qu'il est important que nous puissions avoir un esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Dieu. Lorsque nous lisons les écrits de Paul, nous voyons que tous ses écrits ont été inspirés. Il les a reçus par révélation. Et si ses écrits ont été inspirés du Saint-Esprit, les prières qu'il met également dans ses écrits sont inspirées par le Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit pousse Paul à dire, dit aux chrétiens de rechercher un esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils puissent connaître Dieu. Et avant de lire la prière dans son intégralité qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1, permettez-moi de vous donner le contexte de l'église d'Éphèse ou mieux la relation particulière que Paul a avec l'église d'Éphèse. Alors, l'église d'Éphèse est une église qui est née par la puissance du Saint-Esprit. Pour les lecteurs assidus de la Bible que vous êtes, je vous invite à aller dans Actes chapitre 19. Nous n'allons pas le lire ce matin. Mais dans Actes chapitre 19, nous voyons comment cette église a été fondée. Et littéralement, cette église a été fondée par la puissance du Saint-Esprit. Au cours de ses nombreux voyages missionnaires, Paul a passé plus de temps à Éphèse, nous dit la parole de Dieu, 3 ans à 3 ans et demi. 3 années au cours desquelles il a enseigné les chrétiens nés de nouveau à l'Église. Il a littéralement posé les fondations spirituelles de l'Église. Mais également, dans la ville d'Éphèse, Paul par exemple, par la puissance du Saint-Esprit, a opéré des miracles au travers du mystère de Paul, des exorcistes, des gens qui opéraient la magie se sont convertis. Paul a fait des miracles. Au travers de son ministère, 12 disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Et Paul prie pour eux et ils sont visités puissamment et baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu des conversions. La ville a été complètement troublée. Et la parole de Dieu nous dit également que c'est seulement à Éphèse que lorsqu'il allait partir de la ville, Paul a appelé les anciens et les diacres pour prier avec eux, pour leur faire ses adieux.
Paul ne l'a fait nulle part ailleurs. Et on voit que cette église d'Éphèse avait une place importante et particulière dans le cœur de l'apôtre Paul. Et également, lorsqu'il s'en va, il demande à Timothée de rester en charge de l'église et de conduire l'église. Et nous savons que la deuxième épître à Timothée était la dernière lettre que Paul a écrite. Et cette lettre a été adressée à Timothée et à l'église qui était à Éphèse et aux églises dans les environs. Donc nous voyons que l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, non seulement la ville d'Éphèse, mais de ses environs, avaient une place particulière dans le cœur de l'apôtre Paul. Éphèse, une ville portuaire, une ville prospère, une ville avec un côté idolâtre parce qu'il y avait une déesse qui était adorée, la déesse que les Romains appelaient Diane et que les Grecs appelaient Artémis. Elle avait des adhérents, on va dire des adeptes, et donc il y avait une dimension spirituelle, une dimension démoniaque qui impactait la ville. Une ville importante, on trouvait des Juifs, on trouvait des Grecs. Et Paul va leur écrire cette lettre lorsqu'il est en prison à Rome. C'était lors de son premier emprisonnement. Et en écrivant ces lettres, il écrit à tous les chrétiens de la ville, mais également à tous ses environs. Et Paul leur dit, « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. » Et je vous invite maintenant ensemble à lire cette prière inspirée par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, les versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a développé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de ceux qui remplit tout en tous. Voilà comment Paul amène sa prière. Il leur dit ce pourquoi il prie et il leur explique la raison pour laquelle il prie. Et ensemble ce matin, nous allons aller voir pourquoi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul se met à prier de la sorte. En d'autres termes, pourquoi Dieu nous appelle à aspirer, à recevoir de sa part un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais avant d'arriver là, et suivant chronologiquement la manière dont Paul amène cette prière, il leur dit d'abord, lorsqu'il leur adresse la lettre, il leur dit, je veux bénir Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Paul va adresser des louanges et des actions de grâce à Dieu. Et en le faisant, il attire l'attention des Éphésiens sur une réalité spirituelle. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Paul dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul leur dit, frères, sœurs et vous qui m'écoutez ce matin, il y a des bénédictions spirituelles qui sont nôtres. Paul dit, c'est une réalité. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es en Christ, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es béni de bénédictions spirituelles. Quelles sont ces bénédictions spirituelles qui vont arracher à Paul une louange? C'est un peu comme si Paul est là et il s'arrête et leur dit, avant que je continue, je dois m'arrêter, je dois louer Dieu parce qu'il a béni chacun de ses enfants. Et les bénédictions spirituelles, Paul nous les livre. Nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 1. Par exemple, Paul dit,
Tu as été choisi. Dieu nous a choisi. Nous sommes dans le verset 4. Dieu nous a choisi. Dieu nous aime. Le verset 5, il nous dit, Dieu nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants d'adoption. Ensuite, le verset 7, il va dire, Dieu nous a rachetés. L'œuvre de rédemption de la croix. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Et lorsque Paul parle du rachat aux Éphésiens, pour les Éphésiens, c'est très clair. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous l'ère de l'Empire romain et au temps de l'Empire romain, il y avait encore l'esclavage. Et à Éphèse, il y avait un marché d'esclaves et donc les propriétaires mettaient des hommes sur le marché et des gens venaient et ils disaient « Je te paye le prix de la liberté de cet homme, le rachat. » Et lorsque Paul leur dit « Dieu nous a rachetés », ils comprennent que spirituellement, ils sont délivrés des liens qui les retenaient captifs, des liens du péché et des liens démoniaques. Et Paul leur dit « Dans le monde spirituel, vous êtes libres en Christ. Les chaînes spirituelles sont tombées. » Une autre bénédiction, nous sommes dans le verset 9. Il leur dit « Dieu vous a fait connaître le mystère de sa volonté. Avant, vous étiez loin de Dieu, mais maintenant, vous connaissez la volonté de Dieu. Vous avez accès à la présence de Dieu. » Les versets 11 et 12, il leur dit « Dieu nous a donné un héritage pour que nous célébrions sa gloire. » Et cet héritage nous a été donné par le Saint-Esprit. Cet héritage, et c'est l'autre bénédiction, nous sommes dans les versets 13 et 14, « Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. » Littéralement, Dieu a mis un sceau, un tampon. Et encore à l'époque de l'Empire romain, quand on met le cachet, ça avait force d'autorité. C'est une garantie, mais c'est aussi une sécurité qui parle de l'autorité. Authenticité du document qui porte le cachet de l'empereur, le cachet impérial. Et donc, il dit, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ, là où nous sommes, spirituellement, il y a le sceau de Dieu. Ce sceau veut dire, appartient à Dieu le Créateur. Et Paul dit, alors que je suis là, je vous parle et que là, vous êtes m'écouter peut-être en direct ou en différé dans des heures, les jours, les semaines, les mois, peut-être des années à venir, Paul est en train de dire, si tu es en Christ, ces choses qu'il énumère, elles sont vraies, elles sont présentes, elles sont là dans le monde spirituel et personne ne peut effacer cela. Et à cause de cela, Paul dit, je loue Dieu, je lui rends grâce. Et avant de continuer ce message, frères et sœurs, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions rentrer dans l'identité que Dieu nous donne. Que nous puissions réaliser que nous sommes aimés, choisis, adoptés de Dieu. Nous avons un héritage spirituel. Le sceau de Dieu, l'empreinte spirituelle de Dieu, elle est sur nous. Ça veut dire que lorsque nous sortons dans la rue, nous sommes dans le métro, nous sommes confinés, quand Dieu nous voit du monde spirituel, mais quand aussi les démons nous voient, ils voient l'empreinte de Dieu sur nous. J'ai beau être riche, j'ai beau être pauvre, j'ai beau passer par des moments difficiles, j'ai beau avoir des temps en famille difficiles, j'ai beau faire face à des défis, à des épreuves, ces bénédictions, elles sont les miennes en Christ Jésus. Et je veux dire amen à cela ce matin parce que je suis un enfant de Dieu. Et après que Paul ait rendu grâce à Dieu, ait loué Dieu, une manière de dire aux Éphésiens, soyez conscients de la réalité spirituelle. Après qu'il a fait ça, Paul dit, maintenant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vais intercéder pour vous. Et c'est là que nous arrivons dans les versets 17 et la première partie du verset 18, je vais vous le relire. Je prie, et je suis dans la version second 21, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Paul est en train de dire, et encore une fois, j'attire votre attention sur la manière dont laquelle cette église a été fondée. C'est une église qui a été fondée par la puissance du Saint-Esprit.
ceux qui sont encore à l'église se rappellent des miracles que Dieu a opérés au travers du ministère de Paul. Ils se rappellent les baptêmes du Saint-Esprit. Ils se rappellent des délivrances. Et donc, Paul ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas la profondeur et l'action puissante de Dieu. Mais malgré cela, il leur dit, ce n'est pas suffisant. Il dit, vous avez besoin de connaître plus. Il y a un besoin que le Saint-Esprit opère quelque chose dans vos vies, à vous les jeunes, à vous les femmes, à vous les enfants, dans vos familles. Dieu a besoin d'opérer quelque chose dans votre cœur pour que vous le connaissiez mieux. C'est un appel à une intimité personnelle avec le Seigneur. Et pour cela, il dit qu'il doit avoir une opération du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Permettez-moi d'attirer votre attention sur ce jeu de mots. Il parle des yeux de notre cœur, pas des yeux qui sont sur notre tête. Par les yeux, Paul dit, nous devons percevoir. Mais lorsqu'il parle du cœur, il dit, ça doit être quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de spirituel. Et Paul est en train de dire, Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Ils connaissent ta puissance, ils connaissent la manière dont tu agis, mais ce dont ils ont besoin, c'est de s'approcher de Dieu. Il y a une expression en anglais qui dit « to come closer », ce qui veut dire s'approcher de tel point qu'on est dans l'intimité de la personne. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul dit, il y a un besoin qui est là, un besoin pour vous et moi aujourd'hui, en 2021, que nous soyons jeunes, mais que nous soyons plus âgés, que nous ayons 20 ou 30 ans dans la foi, il y a un besoin de connaître Dieu et la connaissance de Dieu se fait par une révélation de qui il est chaque jour davantage. Je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Paul prie pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit et une question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce si important de connaître Dieu? Qu'est-ce que connaître Dieu? Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans l'Église. Certains peut-être depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, certains 20 ans, certains travaillent dans l'Église. Et j'attire votre attention sur le fait que Timothée était en charge de l'Église. Mais quand Paul écrit cette lettre, il ne dit pas, écoutez, c'est pour les nouveaux convertis. Paul dit, écoute, c'est pour toi, Timothée, c'est pour vous les diacres, c'est pour vous les anciens, c'est pour vous qui œuvrez dans l'Église, c'est pour vous qui faites la louange, c'est pour vous tous, quelle que soit votre expérience avec Dieu, il y a un besoin de connaître Dieu davantage parce que Dieu est grand, parce qu'on ne peut jamais aller si près de Dieu. Il y a toujours manière, il y a toujours moyen de s'approcher de Dieu. Et cela ne peut que se faire que par une transformation quotidienne que le Saint-Esprit fait dans notre homme intérieur. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de notre cœur. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, d'abord, frères et sœurs, parce que Dieu lui-même, il est demandeur. Dieu désire que nous puissions le connaître. Lisons ensemble Jérémie, chapitre 31, versets 33 à 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Verset 34. « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, « Vous devez connaître l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, ça veut dire que alors que nous sommes en Christ, alors que nous avons reçu le pardon de notre péché, il y a une promesse que Dieu nous fait et il y a un appel que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous connaître. Individuellement. Dieu veut te connaître. Dieu ne souhaite pas que ta foi soit bâtie au travers de la prédication du ministère du pasteur. Dieu désire que ta foi soit bâtie sur la relation qu'il t'appelle à avoir avec lui. Une relation de plus en plus profonde, une relation intime, une relation où Dieu se révèle à toi, où Dieu te parle, où tu aimes Dieu, tu apprends à l'aimer, tu apprends à saisir qui il est. Et nous voyons que connaître Dieu faisait également partie de la prière que Jésus a faite. Nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 3.
Et Jésus dit, va vers la croix, il est dans le jardin de Gethsémané, il est en train de prier, c'est un combat spirituel. Jésus s'adresse à son Père et il dit, Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est en train de dire que naître de nouveau, c'est être en connexion avec Dieu, mais c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu nous amène jusque dans l'éternité. Quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, nous allons l'expérimenter quand nous serons dans la présence de Dieu. Et entre cette nouvelle naissance qui nous ouvre la porte de l'éternité et la réalité de vivre l'éternité, il y a notre marche quotidienne. Et dans notre marche quotidienne, Jésus dit, ce qui est important, c'est qu'il te connaisse, toi. Qu'ils te connaissent chaque jour davantage, qu'ils grandissent dans leur intimité avec toi, qu'ils me connaissent, moi, leur Seigneur et leur Sauveur, Jésus, qui parle évidemment, mais c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Remarquez avec moi que la vie éternelle consiste à connaître Dieu, le vrai Dieu. Frères et sœurs, l'appel pour nous ce matin, c'est de connaître Dieu. Et avant de continuer ce message, j'aimerais simplement te dire, et te demander, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu est palpable dans ta vie? Est-ce que Dieu est réel dans ta vie? Est-ce que de la même manière, tu peux dire, « Oh oui, lui, je le connais bien », au point où on anticipe parfois les attitudes, les réactions des gens? Est-ce que nous pouvons dire dans cette situation, « Voilà ce que Dieu me demande, parce que je connais le cœur de Dieu ?» C'est une invitation à connaître le Seigneur. Et quelle est l'attitude de cœur que nous devons avoir? La parole de Dieu nous le livre. Nous sommes encore dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Voilà la formule que nous devons appliquer. Dieu dit, si tu me cherches vraiment, je vais me laisser trouver par toi. Si tu veux vraiment me connaître, si c'est quelque chose qui est au fond de toi, alors tu vas me connaître. Et ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est que tous ceux d'entre nous qui disent, Seigneur, je veux te connaître. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Et à la fin de ce culte, nous allons prier encore et demander à nos sœurs de nous diriger dans ce chant. Je veux te connaître. Je veux te connaître ne doit pas être seulement une formule, ne doit pas être seulement je lève ma main. Ça doit être motivé, quelque chose de profond. Cherchez Dieu de tout mon cœur. Avec tout ce qui est en moi, Seigneur, je veux te connaître. Je me rappelle, il y a quelques mois, alors qu'un couple désirait rejoindre notre assemblée et nous avions prévu une réunion avec l'église pastorale, et je leur ai simplement demandé, pourquoi voulez-vous rejoindre notre assemblée? Pourquoi? Quelle est votre motivation? Sachant qu'ils venaient d'une autre assemblée. Et je me rappelle toujours ce que l'épouse, elle a dit. Elle a dit, ça ne fait pas longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais il y a une chose que je désire plus que tout. Je veux connaître Dieu. Elle m'a dit, j'entends parler de Dieu. Je sais ce que c'est l'église, venir dimanche s'asseoir, écouter les prédications, louer, chanter. Je sais ces choses. Mais ce que je désire au plus profond de mon cœur, c'est connaître Dieu. Et je veux venir dans votre église, non pas parce que je crois que votre église va me permettre de connaître Dieu, mais je veux me stabiliser, je veux grandir et je veux connaître Dieu. Et j'ai été tellement béni par cette attitude, par l'élan de son cœur, parce qu'elle cherchait Dieu de tout son cœur. Et ce matin, je veux inviter l'église, je veux inviter chacun d'entre nous à chercher Dieu de tout notre cœur. Et j'aimerais que vous compreniez que chercher Dieu de tout son cœur, il ne s'agit pas d'activité, il ne s'agit pas de faire des choses dans l'église, il s'agit réellement d'aspirer à connaître le cœur de Dieu, la personne de Dieu, d'être de plus en plus proche de Dieu et de marcher dans sa volonté. Paul dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi un esprit de sagesse? Pourquoi un esprit de révélation? Pourquoi la sagesse? La sagesse nous permet de comprendre et de connaître la vraie nature des choses. La révélation nous permet de saisir la vraie nature de Dieu. Quand Paul dit « Je prie que le Saint-Esprit touche vos cœurs, qu'il vous donne une révélation empreinte de sagesse et de révélation », Paul dit « Saint-Esprit, aide-les à te connaître intellectuellement, aide-les à te connaître spirituellement ». Aide-les lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils méditent, au-delà de ce qu'ils lisent et qu'ils comprennent la doctrine, qu'ils comprennent les préceptes de Dieu, les enseignements de Dieu, qu'ils comprennent les commandements de Dieu. Aide-les à toucher ton cœur. Aide-les à voir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu désires, quels sont tes plans, quels sont tes projets, la direction que tu leur donnes. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul est en train de dire que pour connaître Dieu, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de le connaître intellectuellement, mais nous avons besoin de le connaître intérieurement. Et il y a une question qu'il est important de se poser pour comprendre pourquoi Paul prie comme cela. Pourquoi devons-nous connaître Dieu? Pourquoi c'est si important? Au point où, après avoir loué Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles, Paul dit, je me mets à genoux et je prie pour vous. Et je dis, Saint-Esprit, illumine les yeux de leur cœur. Donne-leur un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils te connaissent. Pourquoi c'est si important? Pourquoi non seulement ils prient pour cela, mais il leur fait savoir qu'il prie pour ça. Vous savez, vous pouvez prier pour quelqu'un sans lui dire « Allô, salut, tu sais quoi, j'ai prié pour toi. » Vous pouvez prier pour quelqu'un sans le lui faire savoir. Mais Paul, non seulement il prie pour eux, mais il leur dit « J'attire votre attention sur cette priorité-là. Je prie pour vous de cette manière-là. Je veux que vous le sachiez et je vais vous expliquer pourquoi je prie pour vous. » Pourquoi devons-nous connaître Dieu? Pourquoi est-ce au sujet d'une intercession? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, la deuxième partie, Paul dit « afin que vous sachiez, afin que vous compreniez, afin que vous saisissiez, afin que ce soit clair pour vous, afin que vous ne loupiez pas ces points importants qui vont leur lister et que je vais partager avec vous ce matin. » Paul dit « Saint-Esprit, opère ça dans la vie des jeunes, dans la vie des adolescents, dans la vie des hommes, dans la vie des mères célibataires, dans la vie de ceux qui te connaissent depuis 30 ans, dans la vie de ceux qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la vie de l'ouvrier, dans la vie du cadre, dans la vie de l'étudiant, dans la vie du jeune adulte. Seigneur, un esprit de sagesse, de révélation pour qu'ils te connaissent, ceux qui ont déjà 20 ans dans la foi, qui te connaissent davantage. Pourquoi? Et il leur dit, parce qu'il y a des choses que vous devez savoir. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas saisir ces choses. Et saisir ces choses vont vous permettre d'aller encore plus loin avec Dieu. Afin que vous sachiez trois choses. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ce sera le premier point ce matin. Et ça, c'est une dimension du passé. Deuxièmement, afin que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. La dimension du futur. Et troisième point, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est la dimension du présent. Paul est en train de dire, il y a des dimensions spirituelles. Le passé, le présent et le futur. Vous devez comprendre ces choses, vous devez connaître ces choses. Et la connaissance de ces choses vont vous permettre d'aller encore plus loin avec Dieu. Quand on est de nouveau, on est connecté avec Dieu. Mais il y a tout un parcours que nous devons faire avec Dieu afin de grandir spirituellement. Afin, et nous allons le voir, de rentrer dans les plans que Dieu a pour nous. Trois raisons, trois dimensions, autant de choses que le Saint-Esprit nous livre ce matin au travers de Paul. Et le premier point, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. C'est la dimension du passé. Nous sommes dans Éphésiens 1, 18, la deuxième partie, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. De quoi parle-t-on quand on parle d'appel? S'agit-il d'un appel au ministère? Pas du tout.
Paul est en train de dire, ce que vous devez saisir, c'est que Dieu vous a choisi, Dieu vous a racheté au travers du sacrifice de son Fils à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. En d'autres termes, Dieu a un plan, un projet pour vous. Dieu vous a choisi, il vous a adopté, il vous a racheté, il vous a sauvé et il a établi des projets pour vous. Frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan, Dieu a des desseins et nous sommes appelés à connaître ses desseins. Vous savez, personne n'entreprend un voyage sans connaître le terme de ce voyage. Personne ne se lève et dit « j'y vais ». Quand on fait ça, c'est de l'aventure. Mais la vie chrétienne n'est pas une aventure. La vie chrétienne, c'est une marche avec Jésus-Christ dans les plans qu'il a établis pour nous. Et Paul dit « je prie pour que vous compreniez que Dieu a envoyé Jésus pour mourir à votre place, à la croix, afin que vous marchiez dans les plans que Dieu a établis pour vous, afin que vous connaissiez ses plans, afin que vous réalisiez que les plans de Dieu sont là et Dieu vous appelle à marcher dans ses plans. » Pourquoi est-ce que c'est important de marcher dans les plans de Dieu ? Frères et sœurs, ne pas connaître les plans que Dieu a pour nous et ne pas marcher dans ses plans nous expose à une errance spirituelle, nous expose à faire des mauvais choix. Frères et sœurs, quand nous connaissons les plans de Dieu pour nous, nous sommes dirigés dans le choix du conjoint. Alors évidemment, pour ceux qui sont mariés, c'est trop tard. Mais lorsque je suis jeune, par exemple, et lorsque je connais les plans de Dieu pour ma vie, alors, ce ne sont pas seulement mes sentiments qui me poussent vers une telle personne, mais je sais que telle personne fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Parce que le mariage, c'est plus que vivre ensemble, c'est marcher avec Dieu. C'est quand je suis célibataire, je marche tout seul. Mais au moment du mariage, Dieu dit, le temps est venu pour que la marche se fasse à deux par rapport au plan que j'ai pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les plans de Dieu pour notre vie ? Parce que par exemple, lorsque je suis un étudiant chrétien, Dieu a des projets pour moi. Ça m'aide dans le choix de ma formation, ça m'aide dans le choix de la carrière. Parce que si je vais dans cette carrière, Dieu va m'utiliser pour la gloire de son nom et je rentrerai dans ses desseins. Dieu a des desseins, des projets pour chacun d'entre nous, que nous ayons 30 ans, 40 ans, 50 ans. Lorsqu'on a 50, 60 ans, on se rend compte que la moitié de notre vie, elle est derrière nous. Mais du point de vue de Dieu, il y a encore des œuvres qu'il a préparé que nous pouvons accomplir, mais pour pouvoir les accomplir, il faut connaître les projets que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que Paul dit, vous devez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Dieu a des projets pour vous, Dieu a des plans pour vous. Et vous savez quoi, frères et sœurs, ce que l'ennemi fait, l'ennemi nous distrait des plans de Dieu. L'ennemi amène nos yeux à se porter sur des choses futiles, des choses sans importance, pour nous distraire du plan de Dieu pour nous. Parfois, même dans le royaume de Dieu, même dans l'Église, il nous distrait par rapport aux choses de Dieu. Parfois, nous servons à droite, à gauche, et souvent nous prenons le verset qui dit « tout ce que ta main trouve, fais-le ». Et nous nous trouvons à toucher à tout dans l'Église, sans savoir réellement et sans nous poser la question « Seigneur, mais dans quel domaine est-ce que tu m'appelles ? Quel est ton appel dans ma vie ?» Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider dans l'Église, mais ce qui est important, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. C'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Rappelez-vous le message que je vous ai apporté il y a quelques semaines, lorsque le psalmiste, il dit, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu. » Alors, lorsqu'on ne connaît pas le contexte, on se dit, drôle d'idée, pourquoi il ne rentre pas dans la maison, il reste sur le seuil. Mais alors qu'il s'agit d'un des fils de Corée, leur rôle, c'est justement de se tenir sur le seuil de la maison de Dieu. En d'autres termes, ils se rendent compte que là où il est béni, là où il est vraiment sous la faveur de Dieu, c'est quand il est exactement là où Dieu l'a appelé à être. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Que nous soyons une femme mariée, un homme marié, que nous soyons célibataires, peu importe, que nous soyons jeunes, jeunes adultes, nous devons, frères et sœurs, aspirer à connaître les projets que Dieu a formés sur nous. Nous devons comprendre que si nous sommes la génération qui vit le Covid-19, ce n'est pas un hasard. Les générations qui nous ont précédés n'ont pas connu cela. Je parle de ceux qui ne sont plus là.
Mais notre génération connaît cela. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'emmener dans une dimension. Si tu es un homme, ce n'est pas un hasard. Si tu es une femme, ce n'est pas un hasard. Si tu es blanc, ce n'est pas un hasard. Si tu es noir, ce n'est pas un hasard. Vous savez, par rapport à ces questions que je viens de nommer, l'ennemi nous amène à rentrer dans des conflits les uns avec les autres. Racisme par-ci, xénophobie par-là, supériorité raciale par-ci, etc. Mais en réalité, du point de vue de Dieu, si Dieu t'a créé noir, blanc, jaune, vert, rouge, peu importe, il y a un but pour toi et nous devons rentrer dans les plans que Dieu a pour nous. Si moi je suis ici en Belgique en 2021, si j'ai cette responsabilité aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu et ma responsabilité c'est de demeurer dans le plan de Dieu. Je n'ai jamais voulu venir en Belgique, j'en ai déjà parlé, je pensais à aller ailleurs, mais ce que j'ai fait, je suis allé prier et à plusieurs reprises, de différentes manières, Dieu m'a montré que je devais venir en Belgique. Vous savez quoi? Je n'ai pas sauté de joie. Mais j'ai choisi d'obéir à Dieu parce que sa volonté est ma meilleure sécurité. Frères et sœurs, Dieu nous a créés pour un but. Dieu a des desseins pour nous. Et quand Paul dit, il est important que vous sachiez cela. Il prie pour cela. Saint-Esprit, ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils s'approchent de Dieu afin qu'ils connaissent les plans que Dieu a pour eux. Et il dit qu'il y a une espérance qui est attachée à cela. C'est quoi l'espérance ? Du point de vue biblique, l'espérance, c'est une confiance joyeuse. C'est une confiance dans le salut de Jésus-Christ. C'est une aspiration au fait qu'un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour toujours. Et parce que nous aspirons à cela, parce que nous savons que le Seigneur va venir nous chercher, ce qui est une dimension future, mais cette dimension future, elle est liée à l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix qui nous permet de marcher aujourd'hui. L'espérance qui s'attache à votre appel, le salut en Jésus-Christ, crée en nous cette assurance qu'un jour nous le verrons face à face. Et parce que j'ai cette assurance, je marche aujourd'hui dans les plans que Dieu a établis pour moi et je veux chercher à connaître ses plans. Connaître les plans de Dieu nous aide, frères et sœurs, à ne pas nous laisser distraire, à ne pas faire des mauvais choix, à ne pas nous jeter dans des choses, à ne pas nous jeter dans des combats qui ne sont pas les nôtres, à ne pas nous jeter dans des affaires qui ne nous concernent pas. Rechercher la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour nous, nous aident à être focalisés et à marcher dans les plans que Dieu a pour nous. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Notez avec moi que l'espérance précède la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres termes, on espère d'abord. Et la foi réalise cela. L'espérance crée les projets. La foi réalise les projets. L'espérance crée la vision. La foi réalise la vision. L'espérance va dire, voilà les projets que Dieu a pour moi. Et je sais que je le verrai un jour face à face. Alors, je rentre dans les plans de Dieu pour moi. C'est pour ça que Paul dit que vous compreniez l'espérance qui est attachée à l'appel. Et quand il parle de l'appel, il dit, frères et sœurs, vous devez comprendre qu'à la croix, Dieu a tout accompli et que Dieu t'a créé pour un but. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se lamentent en disant, pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Frères et sœurs, ces réponses se trouvent leurs questions dans le cœur de Dieu. Et Paul dit, vous devez aspirer à connaître ces choses. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, c'est la dimension du passé. Ensuite, deuxième point, la deuxième raison pour laquelle il prie, pour laquelle il dit que c'est important, pour que vous sachiez, et nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, la dernière partie du verset 18, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. En d'autres termes, comprendre qu'il y a un héritage glorieux qui est là, c'est la dimension du futur.
Et cette dimension, cette raison, Paul la nomme pour dire, nous avons cette espérance qui est vivante. Mais qu'est-ce qui nous attend là-bas? En d'autres termes, pourquoi est-ce que je serais motivé, moi qui suis dans le monde, qui vis dans le monde, pourquoi je serais motivé à me conserver pur? Pourquoi je serais motivé à être fidèle au Seigneur? Paul dit, la motivation, c'est la perspective, il y a quelque chose de meilleur. Vous savez, si je ne suis pas conscient qu'il y a quelque chose de meilleur qui est devant moi, je ne suis pas motivé à produire les efforts nécessaires. Pourquoi est-ce que les athlètes, même en temps d'hiver, se lèvent tôt le matin, 4h, 5h, et vont courir? Pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent, je ne sais pas moi, 10 heures ou plus par jour? Il m'est arrivé, il y a plusieurs années, de suivre un reportage sur Roger Federer, le tennisman suisse. Et quand on voit Roger Federer, on dit il est doué le gars, c'est un bon tennisman, c'est une référence pour sa génération et pour plusieurs générations, c'est l'un des meilleurs. Il est aujourd'hui plat aux as, il a un style particulier, c'est un tennisman gentleman, il est admiré par beaucoup. Et je suivais ce reportage et en réalité, je me suis rendu compte que chaque jour, il passait des heures et des heures à s'entraîner. Et la question, c'est, mais pourquoi se fait-il souffrir autant? Il est déjà une renommée, il a déjà beaucoup de choses. Mais parce qu'il a en vue une meilleure place, il a en vue la récompense. Et de la même manière pour nous, de la même manière qu'un athlète s'inflige une telle douleur, c'est parce qu'il a en vue la médaille d'or. Et Paul est en train de dire, vous devez comprendre qu'une fois arrivé au ciel, ce n'est pas juste, ouf, j'y suis arrivé. On va se reposer. Ouh, j'y suis arrivé. Paul dit, il y a quelque chose de glorieux qui nous attend au ciel. Et cette gloire, elle est incomparable à ce que nous pouvons vivre dans le monde. Tu peux être riche dans le monde, mais la richesse de la gloire de Jésus dans l'éternité est beaucoup plus grande. Elle est meilleure, elle est merveilleuse, elle est incomparable par rapport à tout ce que tu peux connaître dans le monde. Et au contraire, ce que le monde peut t'apporter, ce n'est que futilité, mais ce que Dieu te réserve dans les cieux, c'est quelque chose de glorieux. Et il dit, il y a une richesse glorieuse dans l'héritage, dans ce que Dieu a pour toi. Il a écrit ton nom dans le livre de vie, mais quand tu vas aller dans sa présence, tu vas participer à la gloire de son Fils pour l'éternité. C'est ça la richesse du glorieux héritage au milieu des saints. Et quand nous allons dans Romains chapitre 8, verset 17, Paul nous dit, quand il s'adresse aux Romains, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Le fait que tu sois enfant de Dieu te donne quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de puissant qui est là. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Et permettez-moi d'illustrer avec Moïse ce que Paul dit aux Éphésiens, la prière qu'il fait. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, et versets 24 à 27. La prière que Paul fait pour les Éphésiens et qu'il leur dit, Moïse vit cette réalité spirituelle dans Hébreux. Moïse, qui avait toutes les raisons de rechercher la gloire et la richesse en Égypte. Mais la Bible nous dit qu'il avait en vue quelque chose de beaucoup plus grand. C'était tellement plus grand, tellement merveilleux, que Moïse a dit, écoute Pharaon, toutes tes richesses, toute cette gloire que tu pouvais m'offrir parce que j'étais ton enfant adoptif, je n'en veux pas parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Et frères et sœurs, tant que nous ne réalisons pas qu'en Christ il y a quelque chose de meilleur, tant que nous ne le touchons pas, c'est normal que notre vie spirituelle soit médiocre. Parfois, on se trouve à exhorter des chrétiens et on voit qu'ils ne bougent pas du tout. Et la vérité, c'est que lorsqu'on creuse, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance vivante. C'est parce qu'ils n'ont pas cette révélation de cette gloire en Christ. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas pourquoi ils doivent vraiment faire autant d'efforts au quotidien pour demeurer fidèles. Parfois, quand ils pêchent, ils disent, « Bah oui, je ne suis pas parfait, de la chair est faible, pardon Seigneur. » Et ils continuent. Mais la Bible nous dit, et nous allons le lire, que Moïse a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça qu'il va mener une vie de sanctification. Hébreux 11, 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, et j'ai déjà prêché sur ce,
passage il y a plusieurs mois. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément, notez le point, momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du Pharaon, du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. En d'autres termes, Moïse avait tout. Il était le fils adoptif de Pharaon. Il avait la gloire. Quand il passait, j'imagine qu'on se mettait au garde à vous, on le saluait. Il suffisait qu'il claquait des doigts pour qu'on lui amène plein de choses. Mais ce passage nous dit que même accepter ça pour un temps, désobéir pour un temps, pas question. Pourquoi ? Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Et quand Moïse comparait la gloire du Messie avec les trésors d'Égypte, il a dit, mais les trésors d'Égypte, c'est n'importe quoi. C'est de la futilité par rapport à ce que je vais saisir en Christ. Et pour le chrétien, ce n'est la même chose. Et Paul dit, tant que tu ne le saisis pas, c'est normal que tu ne décolles pas. Tant que tu n'as pas compris la réalité de la gloire de Dieu qui t'attend, quand tu seras avec lui pour l'éternité, alors c'est normal que ta vie ne décolle pas. C'est normal que tu ne fasses pas d'efforts parce que tu n'es motivé par rien. Tu ne vois rien. Tant que tu ne vois pas ce qu'il y a au bout, la notion d'obéissance, de crainte de Dieu pour toi, c'est des notions vagues, c'est des notions intellectuelles, mais c'est des choses que tu ne peux pas vivre. Il nous est dit ici que craindre la colère, craindre le Pharaon, Moïse a dit, je préfère craindre Dieu plutôt que de craindre Pharaon. Je préfère obéir à Dieu plutôt que d'obéir à Pharaon. Il est dit ici, il a refusé. Il a dit, je préfère l'identité. Aujourd'hui, l'identité en Christ plutôt que l'identité du monde. Et c'est pour ça que Paul dit que vous compreniez spirituellement la glorieuse richesse de son héritage, c'est la dimension du futur. Et enfin, le troisième point, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, c'est la dimension du présent. Nous sommes maintenant dans le verset 19 de Éphésiens chapitre 1, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Paul dit, Dieu a un plan pour nous. Ce plan a pour destination l'éternité, la gloire de Dieu. Mais en attendant, et c'est la dimension du présent, aujourd'hui, demain, tant que tu marches dans la foi, Paul dit, Dieu a mis à notre disposition sa puissance. Que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, le dunamis. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dimanche dernier lors de mon message. Dunamis, c'est le mot qui a donné en français dynamite, une explosion, quelque chose qui fait bouger les choses. En d'autres termes, Paul dit, si tu es un enfant de Dieu, Dieu a mis à ta disposition sa puissance pour que tu puisses accomplir les œuvres pour lesquelles il t'a créé et il t'a appelé. Et ce que Paul dit, c'est la même chose que les apôtres ont vécu avec Jésus. Rappelez-vous, lorsque Jésus il va rejoindre son Père, nous sommes dans Actes chapitre 1, nous sommes dans la fin de Luc et aussi dans Actes chapitre 1, les disciples sont là, 3 ans de formation, ils ont fait de grandes choses, ils ont vu de grandes choses. Mais Jésus dit, ne partez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie le Saint-Esprit promis. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus, et vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit va venir, nous allons recevoir une portion de la puissance de Dieu et cette puissance va nous aider à marcher. Et c'est ce que Paul dit ici, dans le présent, Dieu a mis à notre disposition sa puissance, cette puissance qui agit envers nous qui croyons. En d'autres termes, moi qui vous parle, Dieu a mis par le Saint-Esprit en moi sa puissance. Paul dit, t'es chrétien, Dieu a mis à ta disposition sa puissance. Et Paul va caractériser, va expliquer cette puissance-là. Il donne 3 mots, efficacité, pouvoir et force.
Et quand il parle, nous sommes toujours dans Éphésiens 1:19, quand il parle d'efficacité, le mot traduit par efficacité, c'est le mot énergie. C'est l'idée de, par exemple, des boissons énergisantes. Il est en train de dire que cette puissance-là, elle se manifeste. Lorsque tu marches, la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Il y a une puissance énergétique qui ressort de ça. Quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a un dynamisme. Il y a une explosion, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Par le pouvoir, d'autres versions disent par la vertu. Le mot pouvoir va parler de la capacité, par la capacité de la force. Et le mot force, c'est l'idée d'une force souveraine qui parvient à bout de toute résistance. En d'autres termes, Dieu a mis à notre disposition une puissance qui agit comme une dynamite. Et cette puissance, elle va détruire toute résistance de l'ennemi. Elle va venir nous donner la victoire dans les combats que nous menons. Est-ce que tu passes par une crise familiale? La puissance de Dieu, elle est disponible pour toi. Est-ce que ta famille passe par la maladie? Est-ce que tu passes par une crise financière? Est-ce que tu es dans un combat? Paul dit, il faut que tu saches, c'est pour ça que je prie. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu as Christ en toi, il y a une puissance qui est disponible. Paul est en train de dire, écoutez les Éphésiens, lorsque je suis venu chez vous, votre église a été fondée sur le dynamisme, sur la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu le Saint-Esprit agir dans ma vie, moi, Paul, des gens ont été délivrés, etc. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que du plus petit au plus grand, les jeunes, les ados, les mères célibataires, les personnes âgées, il y a une puissance qui elle est disponible, elle est pour toi. Ne te retourne pas toujours vers le pasteur, mais Dieu te met à ta disposition cette puissance-là, ce dynamis, cette force qui parvient à bout de toute résistance. Elle se manifeste, elle agit dans ta vie avec efficacité, avec énergie, par le pouvoir de sa force, une force qui vient à bout de toute résistance. Par quoi est-ce que tu passes? Je veux te dire ce matin, si tu crois envers nous qui croyons, si tu crois en Dieu, je veux te dire ce matin que la puissance de Dieu, elle est disponible. Alléluia. Et pour que ce soit plus clair, pour qu'ils comprennent, Paul dit, je vais vous expliquer ce dont je parle. Et dans les versets 20-23, il dit, cette puissance, ce dont je vous parle, je vous ai dit comment ça se manifeste, mais je veux vous donner une idée de ce que cette puissance peut faire. Parce que vous devez comprendre cela. Et c'est pour ça que vous devez prier de la sorte. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 20, cette puissance. Il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de ceux qui remplit tout en tous. Paul dit, vous voulez une idée de ce que la puissance fait? Celle qui est disponible pour vous? Paul dit, je vais vous rappelez ce que Dieu a fait. Lorsque son fils est mort, humainement, personne ne peut aller à l'encontre de la mort. L'être humain est limité par la mort. Mais cette puissance, elle va aller chercher Jésus-Christ dans la mort et elle va le ressusciter. Mais il va plus loin. Il dit que c'est une puissance qui met la vie là où il y a la mort. C'est une puissance qui transcende les limites humaines, les limites de la vie, les limites. Quand il parle de la mort, il est en train de dire, nous sommes limités dans le monde. Mais Dieu n'est pas limité. Et quand la puissance de Dieu agit, cette puissance, elle va venir, elle va aller transcender les limites. Mais il va beaucoup plus loin. Et il dit, cette puissance, elle a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. La question, c'est pourquoi il précise la droite et pas la gauche? Cette puissance, la droite, au temps de Paul, au temps des Éphésiens, dans l'Empire romain, la droite, c'est la place de l'autorité. Quand on s'assied à la droite de quelqu'un, ça veut dire qu'on a reçu l'autorité de cette personne-là. Et quand quelqu'un est assis à la droite, il inspire le respect et l'autorité. Quand il dit quelque chose, vous obéissez. Et il est en train de dire, cette puissance, là où tu dis qu'il y a la mort, elle va produire la vie. Et elle va même élever en autorité, elle va produire l'autorité. Et il continue en disant, cette puissance, quand elle agit, elle agit et elle transcende,
et elle brise toute résistance de tous les démons. Et là, quand il dit domination, autorité, etc., Paul est en train de dire, parce qu'il sait qu'aux Éphésiens, il y a la déesse Artémis, il y a des sorciers, parce que quand il a été là-bas, il a vaincu des sorciers par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, il y a la sorcellerie, il y a la magie. Aujourd'hui, on dirait, on parlerait de choses transcendantales, il y a des choses que les gens font, qui se mettent dans, je ne sais pas moi, le spiritisme, des choses qui détruisent des vies, etc. Paul dit, alignez-moi les démons avec leur nom. Quand la puissance de Dieu agit, tu es vainqueur dans ça. De qui tu me parles? Tu me parles de Satan? Lui-même, il est vaincu par Jésus. C'est ça que Paul dit. Domination, peu importe, Diane, Artémis, et il sait que les Romains ont plusieurs dieux. Il dit tous les dieux des Romains. Et pour nous, aujourd'hui, en 2021, tous les démons, chaque fois que le diable agit, Dieu dit, j'ai mis à ta disposition une puissance. Et ce que Paul nous dit aujourd'hui par le Saint-Esprit, c'est, est-ce que ta famille passe par des luttes? Dieu dit, j'ai mis à côté de toi une puissance qui a ressuscité Christ et qui a vaincu les démons. Alors, qu'est-ce que ton problème familial? Je peux le résoudre. Que ma puissance, laisse ma puissance agir au travers de ta vie. Tu passes par une crise financière. Paul nous dit aujourd'hui, par le Saint-Esprit, mais si la puissance de Dieu, elle peut ressusciter Christ d'entre les morts, elle peut résoudre ton problème financier. Est-ce que tu es dans un combat spirituel? Paul dit, mais la puissance qui agit, elle a vaincu Satan et les démons. Donc aujourd'hui, ton combat, c'est rikiki. Et il dit, cette puissance, elle est là. Et Paul dit, en tant que chrétien, vous devez savoir que c'est disponible. Dieu met à notre disposition la puissance. Quand nous repartons le verset 19, elle se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi. Dites envers moi qui crois. Bon, ça suppose que vous croyez, sinon ça ne compte pas, évidemment. Je crois en Dieu et je reçois que la puissance de Dieu agit dans ma vie avec efficacité. Quelle est l'espérance? Quel est l'héritage? Et quelle est la puissance? Et nous allons voir que l'espérance, l'héritage et la puissance sont autant de choses que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous emmène dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 5. Suivez avec moi ce que Pierre va dire aux chrétiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez qu'il commence aussi en bénissant Dieu, tout comme Paul l'a fait. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Remarquez les bénédictions spirituelles. À travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pierre mentionne l'espérance. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu, par le dunamis de Dieu. Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre dit exactement ce que Paul dit aux Éphésiens. Paul dit, il y a une espérance vivante. Pierre dit la même chose. Il dit, je bénis Dieu. Il a accompli quelque chose de merveilleux en envoyant Jésus à la croix. À cause de cela, vous avez une identité. Mais vous devez connaître Dieu parce qu'il a des plans pour vous. Et ces plans, à partir du moment où vous naissez de nouveau jusqu'au moment où vous serez dans sa présence, passent par une espérance vivante. Jésus va venir me chercher. Un héritage qui est là, je serai dans sa gloire. Et en entendant, par rapport au plan que Dieu a formé pour moi, par rapport au fait que je suis un homme et non pas une femme, par rapport au fait que je mesure autant et pas autant, par rapport au fait que je suis doué dans tel domaine, pas dans tel domaine, par rapport au fait que je vive aujourd'hui le Covid, etc. Cela fait partie du plan de Dieu pour moi, mais je dois connaître ce plan et Dieu m'appelle à marcher dans la puissance parce qu'il a mis cette puissance à disposition. Et la question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce que je ne vis pas la puissance de Dieu? Paul dit, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu as besoin que le Saint-Esprit te montre qui est Dieu. Parce que si tu savais qui est Dieu, tu saurais que Dieu est puissant. Et si tu savais que tu as ton identité en Christ, dans un Dieu puissant, alors tu prierais avec puissance. Tu appelleras la puissance de Dieu et elle se manifestera dans ta vie, dans ta situation.
Vous savez, lorsqu'il nous arrive en tant que chrétien d'être dans une situation où nous en sommes à dire « Je ne vois pas comment je vais m'en sortir », c'est une manière de dire « Je n'ai pas compris la puissance de Dieu ». Et Paul dit « Vous devez comprendre cela pour vous permettre de passer au-delà de l'épreuve et d'être vainqueur dans le combat ». L'espérance, l'héritage, la puissance. Et je termine ce message. Qu'est-ce qui déclenche la prière de Pierre, de Paul, pardon? Pourquoi Paul prie pour les Éphésiens? Pourquoi cette prière-là d'entrée, dès qu'il leur écrit la lettre? Imaginez, vous recevez une alerte sur votre téléphone et Paul dit, je bénis Dieu, je prie pour vous, mais vous voyez juste avant qu'il dise, je prie pour vous, il dit, le verset 15, Éphésiens 1, verset 15, et je termine mon message par ça, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, et après il dit, je prie pour vous. Paul prie pour eux de cette manière, le Saint-Esprit pousse Paul à prier parce que la prière qu'il fait, elle est au bénéfice de ceux qui ont une foi authentique. Et cette foi authentique se manifeste par l'amour pour Jésus et par l'amour pour les chrétiens. En d'autres termes, si ton cœur n'est pas rempli d'amour pour Jésus et ton cœur n'est pas rempli d'amour pour les frères, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension-là. Parce que aimer Jésus et aimer les frères, la parole de Dieu nous le dit, c'est la base de notre foi. Et Paul leur dit, j'étais là, j'ai vu comment vous êtes convertis. Mais il dit aussi, quand je suis parti, on m'a dit que vous êtes restés fidèles. Vous avez grandi dans cette foi. Vous aimez Dieu. Vous aimez les frères. Vous aimez les sœurs. Vous aimez Dieu. Vous aimez les frères. Vous aimez les sœurs. Votre foi, elle est authentique. Alors, je prie et je veux que vous sachiez que c'est ma prière pour que vous aussi vous priez. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Je prie que vous connaissiez Dieu davantage. Et vous devez connaître Dieu parce qu'il y a une espérance qui est liée à votre appel. Dieu a des plans pour toi. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es un jeune, si tu es un étudiant, si aujourd'hui tu as 40 ans, si tu as rencontré Jésus à 50 ans, si tu as 20 ans dans la foi, Dieu a des plans pour toi. Ces plans t'amènent dans l'éternité avec lui parce que tu as un héritage. Et parce que tu as cet héritage-là, tu marches dans cette confiance que tu vas le voir parce qu'il t'a préparé une place. Mais en attendant que tu vives cela, alors que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, alors que tu marches au quotidien, Dieu dit, il y a une puissance qui est disponible, il y a un dynamisme qui est là. Et je t'appelle à rentrer dans cette dimension de puissance parce que c'est ce que j'ai prévu pour tous mes enfants. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, l'ennemi nous distrait souvent et nous amène à regarder nos échecs. Nous amène parfois à rester sur nos échecs ou à nous endormir dans notre confort. Tout va bien. J'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai autant de biens. Et parfois, quelque part, on n'est même pas poussé à aller à l'église parce qu'il n'y a rien qui nous pousse. L'être humain, il est tel que c'est quand ça va mal qu'il se rappelle de Dieu. Et parfois, l'ennemi nous pousse loin de Dieu. Ou il nous décourage, ou il nous distrait. Mais dans tous les cas, il veut nous empêcher de rentrer dans les desseins de Dieu pour nous. Et Paul dit, Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Ouvre leurs yeux. Parle-leur. Parle aux jeunes. Parle aux ados qui ont 12, 13 ans, qui ont donné leur vie. Révèle-toi à eux. Quand ils lisent la parole, quand ils prient, révèle-toi à eux, par le Saint-Esprit, donne-leur la sagesse et la révélation de qui tu es, qu'ils connaissent tes plans, qu'ils se gardent purs parce qu'il y a une espérance vivante et un héritage, comme Moïse l'a fait. Et montre-leur que dans ce qu'ils vivent à l'école, à l'UNIF, au travail, dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a une puissance qui est là. Montre à la mère de famille qui élève seule ses enfants, montre-lui que tu es avec elle. Montre-lui qu'il y a un projet qui est là. Montre-lui quelles doivent être ses priorités. Et montre-lui qu'il y a une puissance qui est disponible. Et cette puissance, elle va vaincre Satan et les démons.
Et il dit, rappelez-vous dans Éphésiens 1, 19, et tout esprit qui se peut nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Paul est en train de dire, quel que soit l'esprit, Dieu est plus puissant. Et cette puissance, elle est disponible. Et ce matin, comme Paul, j'aimerais que nous fassions cette prière. Seigneur, je veux te connaître. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nous puissions grandir, afin que notre foi soit véritable. Et rappelez-vous, le point de départ, c'est une foi authentique. Si ma foi n'est pas authentique, je dois commencer à me mettre à genoux. Seigneur, je viens avec un cœur de repentance, avant que nous puissions entrer dans cette dimension à laquelle Dieu appelle chacun de ses enfants, qui que nous soyons. Et ce matin, nous voulons prier la prière inspirée par le Saint-Esprit. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation afin que je puisse te connaître. Illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Là où nous sommes, alors que le groupe de louanges nous dirige dans ce chant qui dit « Je veux te connaître ». Que ce soit comme la sœur qui m'a parlé « Je veux connaître Dieu ». Non pas mes 20 ans, mes 15 ans, mes 5 ans dans la foi, dans l'Église, mais je veux connaître Dieu. Je ne veux plus me disperser. Même dans l'Église, je ne veux plus me disperser. Même en faisant les choses de Dieu, tantôt je suis à droite, tantôt je suis à gauche. Autant de distractions qui peuvent... Oui, c'est des choses de Dieu, mais Dieu ne te veut pas là-bas. Prions ce matin, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, oh, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. De toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Te connaître, Jésus. Alléluia. Te connaître, Jésus. Alléluia. Là où tu es, prie avec moi. Prie pour toi.
et demande à Dieu de te donner un esprit de sagesse et de révélation pour que tu le connaisses. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier ta parole. Parce que quand nous prions ta parole, nous prions ton cœur. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour ma vie. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Aujourd'hui et dans le futur. Et je prie que tu donnes à chacun un esprit de sagesse et de révélation afin que nous te connaissions. Je prie, Seigneur, que par l'œuvre du Saint-Esprit, tu illumines les deux de nos cœurs. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, je veux te connaître. Viens toucher ma vie. Seigneur, touche-nous aujourd'hui, touche-nous demain, touche-nous chaque jour. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de faire cette prière, la prière de nos cœurs, pas seulement de manière instantanée aujourd'hui, Seigneur, mais comme Paul dit, je prie, je te demande. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de nos cœurs. Je veux te connaître. Je prie que tu visites les vies, Saint-Esprit. Je prie pour un souffle nouveau. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension pour que, Seigneur, nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel. Seigneur, nous voulons entrer dans la dimension de notre appel, de nos desseins, de nos buts. Au nom de Jésus, que nous puissions comprendre, Seigneur. Oh, Seigneur, l'héritage glorieux, la richesse glorieuse de ton héritage. Afin, Seigneur, que comme Moïse, Seigneur, nous puissions regarder le monde, Seigneur, comme de la salissure, parce qu'il y a tellement quelque chose de meilleur après. Et aide-nous, Seigneur, à rentrer dans la dimension de ce dunamis, de cette puissance que tu mets à notre disposition. Que notre foi soit authentique, Seigneur. Je prie pour des renouveaux dans les vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu l'opères. Seigneur, je veux te connaître. Et nous avons prié, tout comme Paul, tout comme les Éphésiens, nous avons prié dans le nom de Jésus. Et nous recevons cela. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. C'était la première partie des prières de Paul. Dans les semaines à venir, nous allons continuer cette nouvelle série. Et nous voulons grandir spirituellement au travers de cette série. Que Dieu vous bénisse et je laisse la parole à Samuel pour clôturer ce culte. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Franck, pour cette parole. Merci au groupe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse et renouvelle vos forces. Merci à la technique. Que le Seigneur aussi vous bénisse également. Et vous, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège. Nous voulons vous laisser un fardeau, un bon fardeau sur votre cœur. Notre sœur Mireille ayant été opérée il y a quelques semaines d'ici, de la hanche, que nous puissions entourer par la prière notre sœur et la garder dans la prière. Également, prier pour Lina et Serge. Nous puissions prier pour notre frère qui voit son épouse Lina qui est dégradée par une maladie, la maladie. Mais que nous puissions entourer cette famille, ce couple, et les bénir dans la prière. Frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour notre live dès 10h. Et nous aurons pour invité le pasteur Michael Williams qui sera à nos côtés en entendant ce jour et en priant déjà à l'avance pour ce prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et que nous puissions méditer la parole de Dieu tout au long de la semaine. Que nous puissions avoir nos moments de culte personnel, de culte en famille, de culte avec nos enfants, frères et sœurs. Et que nous puissions nous réjouir, frères et sœurs, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Soyez bénis, soyez fortifiés à tous égards. Et à très bientôt, un bon dimanche à chacun. Amen.